Hey, salut tout le monde, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec Taïwan. Je viens de record 13 minutes pour rien. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas activé mon micro. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça me saoule parce que c'était très intéressant là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on protège un petit peu l'espace que vous voyez ici parce que j'ai créé. Enfin, du coup, vous le voyez ici, j'ai fait des zones de défense. J'ai mon lance-missile qui est ici. Après, ouais, mais moi j'ai pas des. En fait, j'ai pas une force militaire très importante. Enfin, j'ai pas des level 3 ou des level 4 qui sont beaucoup plus performants. Pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai fait dans mon territoire? J'ai augmenté l'impôt sur les sociétés pour pouvoir un petit peu toucher sur le compte des entreprises. Pourquoi? Parce que y a une trop grosse croissance. En tout cas, on va se rapprocher des 1000 milliards de PIB et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais voilà, pourquoi je fais ça pour mon inflation, hein. Comme vous le savez, mon inflation est beaucoup trop importante et ça fait c'est pas forcément une très très bonne chose qu'elle soit les plus importantes. Du coup, il faudra qu'on calme un peu tout ça. Voilà. Mais sinon, on s'élève à 17 millions, on peut estimer son coût mensuel à 7,80 millions. Bon, en tout cas, on perd du matériel. Comme vous le savez, dans le dernier épisode, on a un petit peu renforcé, on s'est un peu renforcé militairement. Ah, bah en tout cas, c'est bon. Le Japon a enfin repris la ville. Toc. Oh, il y en a un qui me fait chier là. Je sais pas c'est qui. Ok. Mais j'espère que cette base va vite être détruite. Parce que c'est ce que je fais actuellement. C'est vraiment de détruire cette base, mais elle est très très... elle est assez puissante. Après, j'envoie encore mes chasseurs, hein, à l'attaque. Mais ces 179 chasseurs vont être très chiants, hein, par contre. Je vais continuer à casser aussi cette base militaire comme je l'avais prévu, bien sûr. Et en plus, j'essaie de détruire cette base militaire-là. C'est pas forcément le meilleur endroit. On peut le constater, c'est pas forcément le meilleur endroit. Mais je sais pas c'est qui me touche. Ok, il y en a un là. Ok, c'est ce lance-missile-là qui me casse les burnes. Oh, mais ça me saoule. Mais pourquoi ça bug ça là? C'est bizarre. Bon, va falloir détruire ce lance-missile parce qu'elle est assez chiante. Elle me fait quand même beaucoup de mal. Ok. Il y a des chasseurs qui sont de sortie. Ils vont m'attaquer. Eh bien, vite. Attaquez-les. Je les vois sortir. Tac. Attends, toi, essaie Nous allons d'attaquer. violer l'espace aérien de ce... Je m'en fous. Merci. Est-ce que tu pourras attaquer du coup ta cible qui est celle-là? Quand tu rentreras, bien évidemment. Mais au moins qu'on détruise ce lance-missile qui me casse les burnes un peu. Il est lancé. C'est quand qu'il arrive? C'est pas lui. Chasseur. Ah, mais il est détruit du coup? Toujours pas, hein. Ça serait bien de le détruire, hein. Il est complètement mort. Ok. En tout cas, ils sont dans cette base. Une base militaire morte. Une.
Putain, mais elle me détruit toujours, ça me fait chier. Détruisez-moi ce truc. Toi, non. Toi, non. Bonjour, je suis débile. Je m'appelle le jeu GPS4. Je sais pas pourquoi j'envoie mes troupes alors que j'ai dit non. Genre, non. Alors, ici on a ça. On va détruire ça. Chasseur. Détruisez-moi ceci. J'ai personne dans cette base. Ah, ben chasseur. Détruisez-moi cette base. Comme ça, on détruit toutes les bases qui sont ici. C'est déjà pas mal. Après, on a cette base aérienne-là qui est très chiante. Mais le lance-missile est toujours pas cassé, hein. Ah, c'est bon, il a enfin été lancé ce missile. Merci, enfin, il a été détruit, enfin. Bon, mon père, il a re-applaudi. Est-ce que c'est parce qu'il y a un troisième but? Non, ils ont égalisé. Tottenham. Enfin, pourquoi il y a un, deux? Il y a un petit problème dans mon truc. Bon, je regarde, hein. Oui, ok, c'est bon, ça marche, c'est bien. Liverpool, Tottenham. Ah, ok, à 49e minute. Bon, ok. Alors, j'ai vu un truc là. Novavax, ok, bah il y a plein de vaccins qui vont sortir là, Le vote a ça va eu. être incroyable. Je vous informe. Navire douteux au niveau du Burundi. Quoi? Ah oui, troisième but de Tot de. Juste, qu'est-ce qu'il Les m'a dit? centres ont perdu. Cyberattaque contre notre armée. Navire douteux? Près du Je côte vous du informe Brunei? qu'un bâtiment de guerre croise actuellement aux abords de nos eaux territoriales. Oh, ah oui. Tout à fait, Malaisie, ça serait bien que vous partiez. Ce serait bête. Nous avons contrôlé la cyberattaque. Yes! Aucun virus. Ah bah oui, c'est sûr, là, ils ont vu que maintenant, la Taïwan est en train d'attaquer. Et ils attaquent de façon aérienne. Et c'est sûr que là, ça commence à faire un petit peu chier pour les soldats, enfin pour les Nord-Coréens. Parce que là, on les attaque vraiment de front, hein. Là, on les fait vraiment chier. En tout cas, ça marche, hein. C'est-à-dire que notre politique militaire actuellement est en train de porter ses fruits. Alors, on a un lance-missile qui est là. Celui-là qu'il va falloir casser encore. Oh putain. Encore? Mais c'est qui m'en lance? Lui, il va falloir que je casse. Putain, c'est lui là. Mais c'est quand qu'il va se mettre au pas là? Parce que ça commence à me faire un petit peu chier, je vais pas vous mentir. Trésorerie en excès de 14 milliards, ça c'est bien. Ça, on va augmenter. Les charges sociales, employeur. J'ai vu. Il y en a un qui arrive là. Enfin, il est sûrement en dessous de. Parce que. Ah, voilà, il est là. Bam! Ok, parfait, il est mort.
C'est bien parce qu'en fait, les lance-missiles, ils sont très puissants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les lance-missiles, c'est que c'est très très puissant. Pour ça que je fais très attention. Waouh, 111! Ah oui, est-ce qu'il n'y avait pas le... Oh oui, il est là. Go! Essayez de détruire ce mec. Est-ce qu'il va le lancer? Oui, il va le lancer. Et ça, ça va faire très mal. Alors, j'ai vu... Elle était ici. Nous avons de fortes présomptions. Forte présomption. Bon, en tout cas, en termes international, pour le moment, tout se passe pour le mieux. Hein, on peut le voir. Filtrer. Bon, procéder à une arrestation. Faut pas se foutre de ma gueule. Nous avons... Oui, neutralisation du chef. Parfait. Service. Je regardais un petit peu au niveau de notre... De l'énergie. Pénurie. Toujours des pénuries. Ça, c'est casse-bonbon. Bon, on est toujours en guerre, de toute manière. Toujours notre opération militaire contre Taïwan. En tout cas, enfin, contre la Corée du Nord. Est-ce que je peux pas voir, genre... Nombre de tués. Ah oui, putain. Ils ont tué 6000 soldats. J'ai tué 331 000 soldats de leur part. Bon, bah écoutez. Hein, les obsèques. C'est propre. C'est très propre. 331 000 soldats, c'est beaucoup, mesdames et messieurs. Ça doit faire très mal quand même au régime de Kim. Bah tiens, tu vas me casser ça, toi. Comme ça, ça sera un truc en moins à voir. Vous, chasseur. Bien, alors, ici, tout est cassé. Ok, cette base est cassée, cette base est cassée. Il va falloir attaquer cette base, hein. Ils sont où mes 111 chasseurs là? Qu'ils dorment pas hein, parce que moi j'ai besoin d'eux. 49, 34, 39. En fait, on va tout faire pour détruire cette base militaire. En fait, faut qu'on explose vraiment cette base. Comme ça, on sera légitime, on sera tranquille. On va les envoyer tous en même temps. Ça va faire très mal, hein. Là, je sais pas si ça va se casser, par contre. Ça, je pourrais pas vous le dire. Mais au moins, qu'on envoie tout ça. Hein. Qu'on détruise au moins cette base militaire. Cette base très, très importante pour le régime nord-coréen. Qu'on le détruise. Bah ça fait du bien un peu de guerre comme ça. Putain, regardez-moi ça. Foufou, ça sort, ça sort. Regardez-moi tout ça là. C'est propre. Stop. J'ai juste regardé en dessous. Ok, la Malaisie s'est calmée. Alors toi, non. Ici, ça s'est calmé aussi. Oh putain, c'est reparti pour un tour. Non. Mesdames et messieurs, restez ici. Restez tranquilles. Bien. Alors, au niveau de la croissance, ça baisse, c'est bien. Vous allez me dire, mais il est fou. Pourquoi il veut faire baisser la croissance? Écoutez, il faut faire baisser la croissance pour l'inflation. C'est important. Est-ce que ce truc peut être détruit, s'il vous plaît? Ouf! Ok, la Toscane va être complètement détruite. Ok, c'est complètement cassé.
Ça, c'est une énorme nouvelle. On vient de casser cette base aérienne. Il va falloir casser cette base aérienne qui est très loin. Mais pour le moment, on va essayer de casser un petit peu tout ce qui se trouve ici. Déjà, je vais essayer de casser ça. On va essayer d'un peu tout casser. Hein. J'aime bien quand on casse tout. C'est plutôt glorifique. Plutôt pas mal. Voici donc. Cool, la croissance qui se calme. Pour éviter une énorme inflation. Mais pourtant, hein, regardez, notre PIB, 983 milliards de PIB. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Même beaucoup, peut-être un peu trop. On pourrait se dire. Mais non. Ça va. Alors, ici, on est toujours en guerre. Là, qu'est-ce qui se passe? Pas trop impacté, le régime. Une bombe, ça c'est cool. Démantèlement limité. Démantèlement de la liberté de démocratie. Wouh! Enfin! Ça, je crois que c'est... Putain, mais c'est même pas fini, c'est une blague. C'est même pas démantelé. Bon. Le vote a eu lieu et le projet. Loi sur recherche patronale. Pas content. Écoutez, nous sommes en guerre. Nos agents infiltrés ont le. Baïkonour, non. C'est non. Bon, en tout cas, ils m'aiment toujours. Du coup, c'est plutôt positif. Après, j'ai peur parce que... Oh, putain. Toujours aussi bugué. J'ai peur parce que ça peut me détruire, ça. Les sit-ins, ça peut vous détruire. Hein, c'est pour ça. Stop. On envoie encore un tour. On envoie tout. On envoie tout contre ça. Comme ça, ça sera le plus efficace de faire comme ça. On abat tout d'un coup. On envoie tout d'un coup. Comme ça, les chasseurs ne pourront pas nous traquer. Il y aura juste un groupe de chasseurs qui pourra nous traquer. Ici, j'en ai 24. C'est parti, messieurs. À la guerre. Non, toi, tu reviens, par contre. Alors, au niveau militaire. Ok, 104 milliards. Avec vous jusqu'à la mort. Super, le sit-in est terminé. La Corée du Nord s'est un peu plus calmée. Corée du Nord, c'est toujours pas fini. Hein. Regardez-moi cette escadrille d'avions de chasse qui vont percuter la Corée du Nord. Trop drôle parce que cette frégate, elle est en mode je sers à rien. Je ne sers à rien parce que je suis totalement inutile. Je suis inutile. Bonjour, je m'appelle Croiseur, je suis inutile. Alors que je pourrais être super important, mais je suis inutile. Hein? Je crois que c'est le Croiseur qui fait ça. Non, ce n'est pas le Croiseur. Ah, c'est ça. Bon, en tout cas, préparez-vous à être détruit. Et toujours pas cassé, hein. Eh ben, dis donc, ça résiste. Il doit y avoir beaucoup de choses dedans. En tout cas, ça résiste bien. Ils ont encore des lance-missiles de level 4, c'est pas possible ça. Ce sont des chasseurs, bah tiens. Toi, va me détruire ça.
Il y a une base sur une base. Mais ils étaient là, mais sans chasseur. Ben voilà, je me disais, c'était bizarre. Je vais pas utiliser mes 111 chasseurs pour ça. Je vais essayer pour... Je vais les prendre pour détruire ce truc. Ben voilà, je me disais, ils étaient où mes 111 chasseurs? Ok, parfait. Ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, surtout. Ah, on a Singapour qui veut me voir. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va se retrouver pour un prochain épisode. On va continuer notre guerre. Et on va un petit peu s'intéresser un petit peu sur nos problèmes énergétiques. Ah, surplus d'électricité, super. Ah, ça fait enfin plaisir, avoir un petit peu de surplus. Ça évite qu'on ait un gros problème là-dessus. En tout cas, ça fait du bien de voir notre croissance qui baisse. Ça va faire, voilà, ça fait du bien à notre inflation. Notre inflation qui commence à baisser, et ça fait du bien. On porte beaucoup les charges sur les entreprises, vous allez me dire, c'est pas normal, Francis, entreprise. Oui, mais sauf que une trop grosse croissance, du coup, il faut qu'on fasse ça. J'ai préparé ça dans le prochain épisode de Futur Logement, parce qu'on a beaucoup d'argent et améliorer un petit peu le système de santé qu'on a. En tout cas, je vous retrouve pour un prochain épisode. Du coup, demain, on se retrouve pour un nouvel épisode. Mettez un petit like, abonnez-vous, et à demain!